Et yop les potes, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas n'importe quelle vidéo. On va s'offrir une ETB célébration en français que j'ai réussi à me procurer. J'ai réussi à en avoir qu'une hein, pour le moment. J'aimerais bien en avoir une deuxième pour en garder une scellée, mais j'ai tellement envie de l'ouvrir que je me suis dit, enfin voilà, qu'il faut que je vous fasse partager ça. Donc du coup, ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais quelques problèmes, un peu malade, tout ça. J'ai des enfants compliqués aussi, en bas âge, donc. Puis j'attendais cette série pour pouvoir vraiment faire de nouvelles vidéos. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va s'ouvrir ça. Je pense que je referai une vidéo, j'ouvrirai un ou deux coffrets. Encore si je peux avoir une ETB, enfin voilà, j'ai vraiment encore envie d'en ouvrir. Du coup, j'en ai ouvert en off parce que j'ai pas pu faire de vidéo, donc j'en ai ouvert en off. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai dû ouvrir, je pense, 25 boosters faciles. Ouais, enfin 25 boosters faciles. Et du coup, écoutez, de toute façon, on va faire dans l'ordre, on va dire du moins bien au meilleur, quoi. Donc laissez-moi juste 2 petites secondes, je range ça. J'espère de votre côté, vous avez pu en avoir des items à ouvrir, que vous avez eu de la chance. N'hésitez pas à partager ce que vous avez eu, hein, franchement, ça peut être cool, quoi. Donc du coup, alors on va commencer. J'ai eu, hop, donc en carte reprint, hein, je vais parler. Je ne vais pas parler de la série classique tout de suite. Donc en carte reprint, j'ai eu 2 fois Admin Rocket. Donc une très jolie carte, hein, mais donc 2 fois Admin Rocket. Je trouve plutôt jolie, ouais, franchement. J'ai eu une seule fois. Et voilà la Team Rocket. Donc les Team Rocket, je ne sais plus si à l'époque c'était les ou la Team Rocket. Donc voilà, plutôt stylé aussi, hein. Franchement je l'aime bien cette carte. On avait pu la revoir déjà dans Evolution XY. Ensuite, j'ai eu 2 fois le faux professeur Chen. Franchement, ça fait tellement plaisir de revoir ces cartes-là. Enfin voilà, c'est pas les cartes d'époque, on va dire, mais c'est tout comme, quoi. Je suis désolé, pour moi c'est tout comme. L'effet holo est très joli. Ça fait penser au effet holo du McDo, mais en un petit peu plus travaillé quand même, j'ai l'impression. Donc voilà, le faux professeur Chen. Moi, je suis bien content de tirer ce genre de cartes, hein. Franchement, pas de souci là-dessus, hein. J'ai eu, magnifique, le méga Rayquaza X. Franchement, qui sont magnifiques. Bon, là, on voit quelques pitrures, mais c'est sur le top, hein, sur le top loader. Ouais, mais elle est magnifique, cette carte. Regardez-moi ça. Donc le méga Rayquaza X, on va accélérer un peu parce que j'ai eu le Mewtwo X qui est magnifique aussi, hein, franchement. Waouh. Franchement, je suis vraiment content moi, de tirer ces cartes-là en neuf, quoi. Enfin, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas les vrais d'époque, machin, c'est pas la même hype et tout, mais pour moi c'est tout comme. Moi, ça me refait plonger quand j'étais gamin, quoi. Deux Kaorin, bon, c'est pas le mieux, hein. Franchement. Kaorin, on aurait pu avoir des Dracolos ou des choses comme ça, mais donc deux Kaorin. Ensuite, un petit Luxray niveau X qui est très joli aussi, hein. Franchement, j'adore, très très joli. J'ai eu 2 fois Zekrom. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle pète. Hein. L'effet holo, il est vraiment incroyable. Mais donc 2 fois le Zekrom. Hein. Magnifique carte. J'ai pas eu le Reshiram, malheureusement. Mais bon, j'ai eu le magnifique Mew X. Voilà. Moi, je veux dire, avoir ces cartes-là maintenant, les tirer en mint comme ça. Ok, c'est pas celle d'époque, hein, encore une fois. Mais moi, pour moi, ça me va très très bien. Le Mew X qui est magnifique. Un petit Léviator Obscur, que je trouve incroyable. Hein. Pour moi, Team Rocket, c'est une de mes séries préférées de Wizard. Donc là, tirer un petit Léviator Obscur comme ça, je dis pas non.
J'ai eu de la chance, j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu le Magikarp brillant, qui est pas facile à avoir, hein, franchement. Mais bien content de l'avoir. Hein. Encore une fois, pareil, hein, quand on voit la cote de cette carte-là, l'original, moi, celle-ci, elle me convient très bien déjà pour le moment. Le joli Magikarp brillant. J'ai eu deux fois, il me semble, ouais, deux fois Élector de Roquette. Celle-ci, elle est magnifique. Regardez, on voit les effets, genre de la pluie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, cette carte est franchement magnifique. Puis l'avoir en français, quoi, parce qu'elle n'est jamais sortie en français, donc c'est quand même quelque chose. Moi, j'adore. Deux fois Élector de Roquette. Ouais, il y en a un petit peu, hein. Mais on arrive à la fin, là, je vous rassure. J'ai eu le Pikachu anniversaire, pas une fois, ni deux fois, mais trois fois. Donc j'ai eu trois fois le Pikachu anniversaire. Donc voilà, je vais sûrement mettre un à l'échange ou à la vente et je vais en garder un ou deux, je pense, pour la collecte. Donc voilà, trois fois le Pikachu anniversaire. Et là, on rentre dans le lourd. Le lourd de chez lourd. Trois cartes. Vous allez me dire, ouais, c'est les trois cartes du set de base. Oui, mais non. Il m'en manque une. Donc j'ai eu la chance de tirer ce magnifique Noctali Star. Mais qui est incroyable. Ah, cette carte est folle. Hein. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, franchement, donc le Noctali Star magnifique. Le Florizarre. Qui est magnifique, moi je suis trop content de retirer ça, quoi. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Et il m'en manque un sur les trois. Il me manque pas le plus rare parce que il est là. Voilà, donc j'ai eu la chance de tirer ce magnifique Dracaufeu. Incroyable, hein. Franchement. Ouais, je suis trop content de l'avoir, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai tiré en carte reprint. J'ai pas eu le Mugold, hein. Après j'ai la série complète classique, sauf le Mugold, et il manque le recherche professorale en full art aussi. Puis je vais vous faire voir en même temps, voilà. J'ai eu deux petites cartes d'époque cette fois-ci par contre. Voilà. Je les ai eues au Finpass qu'il y a eu à Lyon, vers chez moi. 5 euros pièce, mes amis. 5 euros pièce dans un état mint. 5 euros pièce. Voilà. Hop. Bon ben, on est parti pour la belle ouverture de cette ETB. Espérons de la chance. Espérons Tortank, hein. Franchement. Moi je vise Tortank en fait. C'est vraiment Tortank que je veux. Hop là, ça y est, c'est ouvert. Ah, j'espère en retrouver une deuxième. Hein. Franchement, j'espère vraiment retrouver une deuxième ETB. Hein. Bon, franchement, ça serait trop cool, quoi. Hop, donc là, comme d'habitude, on a le petit fourreau qu'on va mettre là sur le côté. Le petit livret, comme d'habitude, qui reprend les cartes. Hein, on les connaît. Tac, on va laisser là sur le côté aussi. Et ensuite, on a la belle boîte qui est comme ça. Voilà, c'est là on peut revoir tous les starters qui sont tous repris par ici. Très joli. Et à l'intérieur, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Je pense qu'on va retirer ça. Je le remettrai après, je pense. Pour pouvoir la refermer, parce que le TB, je vais la garder. Hein, je la trouve jolie. Donc, du coup, le petit jeu règle des jeux, comme d'habitude. Ça, on s'en tamponne complètement. Les dés, les marqueurs de dégâts. Les dés avec le petit logo de la série qui est ici. Voilà. Allez. Les séparateurs de deck que je trouve très joli. Je pense que je vais utiliser, j'aime bien pour trier, regardez ça. Je trouve ça très joli. Hop. Les énergies, comme d'habitude. La magnifique. Oh ouais, je l'ai enfin entre les mains, quoi. Amphinobi Star. Pour vous dire, je me la suis procuré il n'y a pas longtemps cette TB à l'échange. Je l'ai même pas trouvé en magasin, donc à l'échange. Et du coup, bah, je l'ai commandé là, Amphinobi Star, elle devrait arriver parce que j'étais pas sûr de trouver une ETB et je voulais absolument avoir l'Amphinobi Star, hein, franchement. Je la voulais absolument, quoi.
Elle est trop magnifique. Allez, c'est là. Hop, le petit code pour vous, les amis. Moi, je ne m'en sers pas. Les sleeves, qui sont très jolies. Hein. Franchement, je trouve ça très joli, les sleeves. Bon, malheureusement, elles sont très mates, hein, donc je les utiliserai pas. Mais elles sont très, très jolies. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, espérons pas avoir de bug, hein, parce que j'ai eu pas mal de vidéos. J'ai vu pas mal de vidéos. Donc, on va mettre devant ça. Comme je dis, j'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui manquaient des boosters, qui n'avaient pas l'anti-nobistar. Franchement, ça fait peur, quoi. Donc, du coup, c'est tout mélangé. Hop, hop. Ah, bon, moi, c'est l'état du booster à l'intérieur. Bon, la carte, je pense à rien, mais. Hop là. Donc, on se retrouve avec deux rings de glace et trois styles de combat. On va commencer par ça. Donc, ça fait ça. Voilà, si on a bien les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va. Donc, nous, on a une ETB complète déjà. Bon. Allez, c'est parti. On va commencer par les styles de combat. Bon, style de combat, hein, moi, c'est pas compliqué. C'est une série que j'ai pas fait. La seule carte qui m'intéresse, c'est la Tyrannosif alternatif. Hein, on va pas se mentir. Hein. C'est la seule que je veux de cette série, mais pour le moment, je. Enfin, elle coûte dans les 100 euros, donc ça me fait chier de mettre 100 euros, clairement, dans cette carte-là, surtout en ce moment, quoi. Hop, alors attendez, on va descendre un tout petit peu ça. Voilà, ça là, on sera mieux. Alors, c'est parti. Steve Fleur. Oui, Messire, Jean Fleur, machin. Charby, Psy Gris. Lixi, Démoclès en peu commune, reverse, et derrière, on commence avec un plus mignon, de la daube, de la daube. Franchement, cette série, c'est vraiment pas une série qui m'a hype de fou, mais pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout. Allez, c'est parti, hop, pardon, le code pour vous. Alors franchement, c'est char la Tyrannosif, mais ouais, il est joli ce type océan, mais bon, ça serait fou quoi. J'ai dit Onyx, Epic, Pat, Lixi, Fulgudog en rare reverse, et derrière, le Entei Holo, qui est très joli, ma foi. Très très joli. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, on va la protéger. On va la protéger tout de suite. Voilà, parce que Entei, c'est, voilà, fait partie de mes légendaires que j'adore. Bon, bien content, je l'avais pas. Donc, pourquoi pas. On dit pas non. Allez, le dernier booster style de combat. S'il te plaît, sors-moi le Tyrannosif alternatif. Comme ça, on n'en parle plus, j'ouvre plus jamais cette série de ma vie. 2, 3, 4, hop là, tac, capture, charpentier. J'espère que de votre côté, vous avez eu de la chance hein, dans vos ouvertures de célébration. Bon, voilà, hop, exagéré, il n'y a rien. Merci, au revoir. Bonne journée, cette série. On va mettre ça sur le côté, et puis on s'attaque aux deux boosters de glace. Donc ouais, cette série, par contre, Reine de Glace, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'il y avait les trois oiseaux légendaires en alternatif qui sont magnifiques. Hein. 2, 3, 4. De toute façon, j'en avais eu une sur ces trois-là, hein, si j'avais eu de la chance. Voilà, hein, ça c'est une des cartes qu'on peut retrouver en alternatif, le Lecteur de Galarvé, qui est magnifique. Bon, on va se la faire comme ça, vous savez quoi. Et voilà. Galeking. Vous vous rendez compte là, quand même, franchement, 5 boosters de série classique. Pour le moment, on sort quoi? Une holo. On sort genre une holo. Le dernier booster, on va se la faire normal.
Spectrum, Vector, Vogler, Watt, Scarino, Bullpuff, Wistempo, Farfuret, Shamin en rare reverse. C'est joli, c'est joli, c'est joli, je dis pas, c'est joli. Ah, oh! Oh les amis, une VMAX. Alors, espérons que ce soit de la folie. Est-ce que c'est une secrète? Oh, c'est une secrète. Ah, c'est Silveroy Cavalier du Froid VMAX Rainbow Secret. Alors, je suis pas fan des Rainbow, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça fait plaisir de tirer une carte comme ça. Voilà, sur ces 5 boosters classiques, quoi, on va dire. Écoutez, moi, de toute façon, les Rainbow, je les fais pas. Donc, cette carte sera à l'échange ou à la vente. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout. Je vais la protéger tout de suite. Enfin, j'aurais tellement aimé avoir le sulfure alternatif ou un truc comme ça. On va la mettre là. Bon, booster plutôt sympa. Hein. Shamin Rare Reverse. Plus derrière une Rainbow. Voilà, bon, là, on dit pas non. On dit pas non. On ne dit pas non. Alors, on va les mettre comme ça. Et comme ça pour le moment. Voilà. On cache un peu les jeux Game Boy, mais bon. Voilà. Allez, on s'attaque au plus lourd maintenant. Donc, nos 10 boosters célébration. J'espère avoir de la chance, hein, encore une fois. Hein. Moi, je dis pas. Hein, je signe tout de suite pour un autre Dracaufeu aussi. Hein, parce que ça fait une très belle pièce à l'échange. Moi, je signe tout de suite. Hein. Allez. On commence. Palkia. Dialga, est-ce qu'on va commencer à être pris? Non. Xerneas. Et derrière, le petit Pika, que j'ai en 20 millions de fois à peu près, mais. Et le petit code pour vous. Le petit Pika que j'ai en 20 millions de fois, mais bon, qui fait toujours plaisir à choper. Franchement, je vais vous mentir. Hein. Ce sera toujours une carte qui aura une mini valeur. Voilà. C'est... Donc, je suis bien content toujours d'avoir ça. Hein. On va y laisser là. Et tout le reste, on va y mettre sur le côté. Allez, on attaque. On continue avec un autre booster. Allez. Palkia, Dialga. On commence le même booster qu'avant. Reshiram. Que je trouve magnifique. Hein. En passage, excusez-moi, je ne me suis pas arrêté sur la série parce que j'en ai ouvert pas mal. Mais ce Reshiram-là est incroyable. Hein. J'adore. Et derrière, ça accroche. Le Pikachu volant V. Et le petit code pour vous. Donc le petit Pikachu volant que j'ai déjà. Hein. J'ai déjà en plusieurs fois. Donc je vais vous le refaire voir quand même. Parce que c'est, ça reste une belle carte. Hein. Le petit Pikachu volant V. Donc plutôt sympa touch. Allez, s'il vous plaît, troisième booster. Ça serait cool d'avoir un reprint. Parce que bon. On va dire que 3 boosters sans reprint, c'est pas non plus la folie. Hein, donc le Ho-Oh, qui est magnifique au passage. Hein, j'adore Ho-Oh, Lugia, Reshiram. Je pense que ça reste mes 3 cartes préférées de la série classique. Yveltal, et toujours pas. Hein, Cosmog et Lunala. Et le petit code pour vous. Ah, c'est la folie, hein, franchement. 3 boosters là sans rien. Allez, Dialga, Cosmovum. Est-ce qu'on a quelque chose dessous? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Solgaleo qui est très joli aussi. Non, mais c'est dingue. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Pas une reprise encore, franchement, c'est assez chaud quand même. Hein. Franchement. Dans les coffrets, j'ai eu plus de chance hein, quand même, hein, pour le moment. Donc le Kyogre et le Lugia, que je vous disais, que je trouvais très joli aussi. Ah, bah enfin! Allez, Tortank. Ah non, une trainer. Le faux Professeur Chen, que je vous ai fait voir juste avant, que j'ai en deux fois. Et le petit Zacian V. Et le code pour vous. Tac. Bon. C'est pas la meilleure des reprints hein, qu'on veut voir. Hein. Mais bon, que j'ai déjà en deux fois. Hein. Je vais mettre comme ça.
Et le petit acier aussi qui est très joli. Voilà. Mais que j'ai déjà aussi. Mais qui est très joli aussi. Hein. Hop. On continue. Allez, un booster peut tout changer. Un booster peut tout changer. Reshiram. Palkia. Cosmog. Pikachu Surfer VMAX. Que j'ai déjà. En double et en triple même. Mais bon, voilà, ça fera toujours des petites cartes pour l'échange ou pour la revente. Enfin voilà, ça sert à rien de garder 6 fois la même carte. Ça permettra, voilà, c'est pas des cartes qui valent bien cher, hein, franchement. Hein. Donc, je veux dire. Allez, on est bientôt à la fin. Hein. Franchement, très très pauvre. Hein. Très 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 pauvre. Cosmog. Xerneas. Est-ce qu'on a quelque chose dessous? Non, 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 mais c'est pas possible. C'est dingue. Franchement, il reste 3 boosters, les gars. 3 boosters, les amis. 3 boosters, un reprint. Non, mais enfin, je veux dire, 10, enfin, sur 10 boosters, si on n'a qu'un seul reprint, ah, c'est chaud. Normalement, c'est un reprint tous les 2-3 boosters, quoi. On va dire tous les 3 boosters, allez. Surtout dans une ETB, quoi. Ah, bah, enfin quelque chose. Bon, moi, c'était pas ça que je voulais voir, c'est un Tortank, mais on sait jamais. Oh, bah, Karchakrok. Que j'avais pas. Donc, du coup, tant bien content. Et derrière, avec un petit Pikachu Surfer. Bon, bien content parce que je ne l'avais pas. Et que bah, je veux les compléter. Hein. Je vais avoir les 25, hein, il n'y a pas moyen. Et vu que j'en ai déjà pas mal, je me dis pourquoi pas. Donc, le petit Karchakrok. Bon, c'est pas la meilleure des cartes. J'ai l'original de cette carte-là. Il faudra que je fasse la comparaison juste pour voir. Pour m'amuser, quoi. Mais voilà. Un petit Karchakrok, plutôt sympatoche, et un Pikachu Surfer qu'on n'avait pas eu encore jusque là, mais bon, enfin que j'ai déjà, mais que là on n'avait pas vu lors de l'ouverture. Deux boosters, les amis, il reste plus que deux boosters. Allez, s'il vous plaît, on appelle l'âme des cartes. Allez, s'il te plaît. Tortank, en plus, je l'ai vu sortir plein de fois, ce Tortank, franchement. Dans des vidéos, c'est la folie, quoi. Oh, putain, Zekrom, qui est joli aussi. Hein. Et recherche professorale, donnez-moi recherche professorale full art, au moins. Que je puisse compléter mon truc, quoi. Bon, ben, oula. Dernier booster, hein. Dernier booster, franchement. Cette ETB n'était pas folle, hein. J'ai plus de chance sur les coffrets, quoi. Bah, le Dracaufeu, admettons, je l'ai chopé dans un coffret Nymphalie Obscure. Allez, s'il vous plaît, pour le dernier booster, donnez-moi quelque chose. Oui, quelque chose. Du bleu. On veut voir du bleu. On veut voir du bleu. Non. Ah, si. Si, je suis content. Parce que je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, cette carte. Et j'étais à deux doigts de l'acheter. Je ne l'avais pas. La petite mélo. Le petit mélo, comme vous voulez. Et derrière, oh, j'aurais aimé avoir le petit recherche professoral en full art. Ça aurait été bien cool. Ah, le mélo que je n'avais pas. Vous voyez, c'est texturé de partout. C'est la folie, cette série. C'est une folie. C'est une folie, cette série. J'adore. Donc, Melo que j'avais pas aussi. Bon, on va dire que j'ai eu deux cartes que j'avais pas, mais. Je veux dire, j'aurais aimé avoir juste Tortank. Admettons, genre, j'aurais ouvert juste Tortank sur tout le TB, et ben, limite, ça m'aurait été, quoi. Bon, bah voilà, hein, je veux dire, on va se faire le récap total. Le récap total. Donc, Pikachu Surfer V. Ça, ça va. Le Pikachu volant V. Pikachu Surfer V Max. Zacian V. Pikachu set de base full art, je l'appelle. Hein.
Franchement, pour ceux qui aiment les Pikachu, cette série, elle est incroyable. Donc le Mélo, que j'avais pas, donc du coup je suis content. Je suis content, ça fera toujours une carte. Le Karchakrok aussi, que je n'avais pas. Et là, par contre, j'avais déjà le faux professeur Shen, Entei Holo, qu'on a eu dans Style de combat. Et derrière, quand même, dans Reine de glace, le Silver Roi Cavalier du Froid, VMAX, Rainbow, Full Art, Secret. Donc voilà, les amis, pour l'ouvrir. Et bien sûr, voilà, la petite Amphinobistar que j'avais laissée en fond, de toute façon, pour la vidéo. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, je pense, plus vite que ça n'a été entre les deux dernières vidéos. On se retrouve très vite pour l'ouverture de un ou deux coffrets, je pense. Il me reste un coffret Dracaufeu et deux coffrets Zacian. Je crois que c'est tout ce qui me reste, quoi. Donc voilà. Donc on se retrouvera très vite pour faire une petite ouverture des deux coffrets Zacian. Et bien, écoutez les amis, je vous dis à plus. Et puis abonnez-vous. Likez la vidéo, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu, partagez. Voilà, allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao!